Sylvie Daguet, maire de Sereazereux nouvellement élue, et je m'occupe plus particulièrement du patrimoine de Sereazereux. Nous avons une très belle église qui s'appelle l'église Saint-Denis, qui est une église millénaire datant de l'ère romane, la seconde ère romane, entre le 11e et le 12e siècle, mise en péril aujourd'hui. Nous avons quand même des travaux d'urgence à réaliser et les derniers travaux remontent vraiment au début 2000. Et depuis, plus rien, donc c'est un bâtiment qui souffre de, pour sa grosse humidité et son manque de ventilation. Je souhaiterais vraiment qu'on intervienne sur l'ensemble de l'édifice. Il a été frappé très récemment au mois de juillet de mérules. Ça met vraiment l'église en danger, entre 800 000 et 1 million de travaux. Donc c'est faramineux pour une petite commune comme nous. Actuellement, les ébénistes qui viennent de commencer en début de semaine. Je m'appelle Lou Quintard, je suis ébéniste. Je travaille avec Chloé Beaugrand, ma collègue, sur la restauration de cette église. Donc on a commencé déjà par identifier toutes les pièces de bois, se mettre d'accord sur un système d'appellation de chaque pièce pour pouvoir évaluer un peu l'ordre des choses et l'ordre de nos opérations. On était hyper contents de faire ce chantier-là parce que ce qu'on aime particulièrement, c'est la restauration de mobilier. Et ici, on est dans un cadre qui est quand même assez agréable pour travailler. C'est toujours très satisfaisant à travailler, d'essayer de conserver au maximum les pièces pour conserver l'ancien. Donc j'ai été appelé sur cette église Sereazereux. C'était un confrère qui avait commencé l'étude pour trouver des solutions à un travail qui pourrait se faire par étapes, qui servent d'exemple pour la qualité de la restauration et en utilisant bien sûr les techniques du patrimoine, le respect du bâtiment. Les gros défauts que l'on trouve sur cette église, ce sont des enduits qui ont été faits à une époque, les enduits extérieurs, qui bloquent complètement la respiration des murs. Et on voit à l'intérieur, bien sûr, maintenant des désordres au niveau des boiseries. J'ai participé à la rénovation de la sacristie. J'ai eu des habitants de Sereazereux qui m'ont vraiment aidé et je les en remercie. Ça fait vraiment plaisir de retravailler pour la commune où j'ai habité. Et puis c'est le projet pour tout le monde. Le patrimoine, c'est quand même important pour une commune. Alors Frédéric Pontier, responsable de la société Normandie Expertise Immo, expert en pathologie des bois. Je suis là pour venir expertiser l'église de Sereazereux. Alors le départ, c'était une inspection visuelle. Et au vu de l'inspection qui s'est déroulée au mois de juillet, on avait de la mérule qui était apparente dans les bancs de l'église. Je lève les revêtements sur tout type de surface. C'est un dérivé du sablage, c'est un sablage basse pression. Je ne vais pas aérogommer à plus d'une barre et demie, deux barres, pour éviter justement l'altération des supports, et je vais utiliser ce qu'on appelle des abrasifs éco-responsables. Ça fait quand même mal au cœur de voir qu'en France, on laisse périr tous ces monuments, alors que c'est quand même notre histoire, donc je pense qu'on devrait tous, chacun, y mettre un peu du sien. Le champignon qui peut être dans les sols ou dans les murs, on doit brûler tout ce qui est en surface, et après percer et injecter, et finir bien sûr par une pulvérisation générale. On a beaucoup de monuments, patrimoine, qui ont été construits par nos anciens. Malheureusement, c'est un peu triste à dire, mais ils sont un petit peu laissés un petit peu à l'abandon. Et en fait, l'histoire ne se résume pas que sur un livre. L'histoire se résume aussi à travers ces monuments qu'il faut préserver et emmener dans le temps. Il y a des travaux à investir dans cette église, et malheureusement, au niveau des capacités financières, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que l'appel aux dons serait le bienvenu au sein de la mairie de Sereazereux. Pour pouvoir avancer sur ce projet qui va peut-être durer de très 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 nombreuses années, il faut écouter tout le monde et donc un appel aux dons va être nécessaire parce que qu'on soit croyant ou non croyant, l'église reste quand même le pilier d'une commune puisque c'est souvent ce bâtiment-là qu'on invoque pour se repérer dans la commune quand on arrive de communes avoisinantes.